Pourra prendre la peur Il paraît qu'elle donne des ailes. Après enfin, si nous pourrons voler quoi Ah grosse bifle <rire> <Non>. <rire> Heureusement qu'il s'appelle pas Olifle <laughs> Olifle, grosse bifle <laughs> On va l'appeler comme ça maintenant. Par où dois-je aller maintenant Alors tu vas pas pouvoir aller là. Mais par contre tu peux aller là Et toi Tu peux aller là Donc toi tu peux aller là Tu peux y aller Oui Non Oui Oh putain. Oh, c'est la première fois que je la réussis, celle-là Je suis trop content, les gars Ah, oh, purée Merci pour le GG Oh là 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 Ça, mais quel soulagement Cassons-nous d'ici Cassons-nous d'ici Faisons, faisons d'autres énigmes plus faciles Il y a un délire. Je peux faire ça. Quoi Elle vient par où ah Salope je suis bloqué. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Les amis, je suis bloqué. Faut que je ramasse les. Je sais pas où sont les fusibles. Fusibles. Oh merde, non, 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 non. Je peux, je peux pas me planquer dans le. Là va pas falloir faire le con. Je Ah le dis. Bon ah ah oh, oui, euh, non mais il y a moyen de le faire, il est faisable, hein. Ah mais... oh, putain j'aurais du parmesan sur la bite d'ici là. Hein. Bon allez hein euh... On va, on va se concentrer. J'aime pas quand ils font ça. Oulala. Hein. Oulala là, là. Ouh là, 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 li li lulut. Non. Ce serait peut-être pas mal qu'il y, qu y en ait un peu moins là. Oh, Mais les gars, ça, ça finit quand? Oh, PUTE! J'y étais! Oh, une clé! Oh, non! Mais qu'il est con! Mais qu'il est con! Il a acheté la clé, ce con. Oh oh ah Oh! Non! Oh non! Ah c'est génial ça Il a trouvé un poulet dans le dans le mur Mais contrairement à du Castlevania il, il le dégage Non Un poulet de mur Mais où avais-je la tête Ah putain non c'est trop bien C'est trop bien qu'il s'est fait ça C'est trop bien Ça c'est génial je... je sais pas comment faire Arrête 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 connasse Ah mais arrête connasse Tu vois bien qu'il est derrière ton cul déjà Mais je peux rien foutre Qu'est-ce que ça m'énerve Va te faire foutre. Je sais pas où je vais. Mais ouvre Putain, elle m'a fait peur, elle. Euh... Je n'ai... Oh Dans les chiottes, on peut ramasser du PQ Mais non, c'est la pièce de puzzle C'est... La putain de pièce de puzzle. Oh non Des bébés malsains Qui font plein de bruit, barre-toi Oh mais je les avais pas vus, ces cons-là Ils étaient pas là Oh, ils me il regardent Ils me regardent Oh putain Putain mais il est où l'autre con avec... Ah Putain Ah non mais vous voyez Non c'est pas possible Il passait par là non. Ah Il con <laughs> Comment je lui ai cramé sa gueule Bon le fait chier cette connasse. <laughs> On va y aller. Je suis pas malade. Attends, on va pas attendre 10 ans hein. Ça soit elle fait tout le tour et Là il y a il y singe. Il y a, singe. y a ouais. deux singes. Il y a des singes partout. Elle est là. Oh, elle est là. Oh, <laughs> ah <laughs> qu'est-ce que C'est loin, Je suis piège. I'm coming for you. Ah si quelqu'un a ça. Euh... T'as pensé à fermer le hublot du sous-marin <laughs> belge? Inside. Oh merde, je me prends le truc! Oh non, mais quel connard! <laughs> C'est nul. Putain, il revient. Attendez, il faut que je trouve son pattern. Hein. Oh putain, j'ai eu peur! <laughs> j'ai eu peur de la merde là qui coule! Alors <laughs> je sais pas comment faire, mais. Pas comme ça, déjà. Hey <laughs> les gars. Eh! Les gars! Eh! <laughs> hey. We will, We will Rock you! J'ai mis Allez. les curés. Oh non! Non! Oh, L'unico! Ben non! Non non. non! 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 Ça c'est non. <laughs> non! Ta <ma> gueule! gueule. <laughs> c'est drôle, mais c'est non! Attends, on n'oublie c'est quand même ma soeur! Oh, oui! Non, non <rire> <oublions> <rire> pas! C'est ma soeur quand même! Allez, Allez go! go. Vermeil. Bois vermeil! On donne tout là. Sinon, on pourra faire des équipes après mmh. si vous voulez. Tout ce qu'on ah. te c'est ça que tu dire veux... Oh non, non, bah non. C'est dégueulasse. ça euh... <laughs> mais non mais <laughs> enfin, non mais... Non, pas... mais non. Quand je dis ça, je dis quoi Oh -mais. merde <laughs> Vous êtes con. J'ai chaud là, <laughs> la gueule <laughs> Tiens prends toi ça dans le cul, Jamie. Jamie, <laughs> tu me, <laughs> me fais chier. <laughs> ah j'ai chaud. Il fait 14 degrés. <laughs> j'ai chaud aussi. Il y a beaucoup de objets cachés dans les, je dans les modes que... de... Oui, fou. Ouais. je vais, vais l'enlever parce que j'ai trop chaud maintenant. Qu'est-ce que tu veux enlever toi J'avais de la bouillotte parce que j'avais froid mais j'en ai plus besoin maintenant. Ah la bouillotte Oh putain J'ai pas compris ça J'ai pas compris ça J'ai pas compris ça

pas à vous abonner mais attention vous ne pourrez plus vous en passer salut bande de galopins et de galopines ici le loup 5.1 bienvenue ce soir dans ce live ce petit live de débrief du projet retour vers le futur 5.1 je suis très content de vous retrouver ça fait combien de temps que j'ai pas streamé euh, ça fait une semaine euh une semaine euh, ce qui n'est pas long mais vu le, le, le week-end qu'on vient de se taper les amis eh ben ça paraît plus long <laughs> et oui les gars on a fait on a fini le tournage ah on a <laughs> intégralement fait le tournage euh, de ce de, du projet retour vers le futur euh, ce week-end euh, on a abattu en deux jours et demi on a compté de euh, 31 heures de tournage, et dont euh, 75% dehors, en extérieur. Et d'ailleurs, dans le chat, vous pouvez voir qu'il y a notre ami jamais au système il peut certifier euh, mes dire Voilà. Euh, les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je vous ai préparé euh, enfin je vous ai préparé non, j'ai pas trop préparé en fait. <laughs> Mais il euh, y a des trucs. Vous voyez par exemple là, tac, hop. On passera là-dessus tout euh, à l'heure. Tic 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 Voilà. Euh, salut Farunzo, salut Micello, salut Jamiro, salut Jossam Ar Aramateul, sam, salut Testig en Kangourect. Et donc voilà, on va pouvoir parler un petit peu du, de ce projet, euh, du tournage, de comment il s'est passé, etc. Salut Benji, euh, salut Profpi, euh, et puis bah Solène, hein, Solène euh, bien sûr... Euh, bien le bonsoir, ouais, voilà. Mais qui êtes-vous voilà, Solène qui est à côté en fait, hein, les gars. Euh, on va pas se mentir. Euh, salut quoi? Euh, voilà, tous ceux que j'aurais loupé, euh, je m'en excuse. Le genre, évidemment. Le Jor. Le tournage a déjà commencé. Il est, il est fini. Hein, enfin, il est fini surtout. Euh, il a commencé euh, samedi. Il a fini lundi. Et donc, euh, c'est ce que je vous dis. 31 heures de boulot. En deux jours et demi. Bon, ça fait, ça pique. Hein. Je vais pas vous mentir que je suis, euh, j'ai, je m'en suis parmi encore. Hein. Surtout que pendant ce délire, hein, moi j'ai eu la bonne idée de ne dormir que trois heures à chaque nuit, hein, à peu près. Euh, enfin la bonne idée. J'ai pas fait exprès. Salut Erasmus. Comment vas-tu euh... Ouais, j'étais un peu stressé. J'étais, bah, moi c'était mon premier gros gros projet avec une équipe. Euh, donc, les heures de sommeil, euh, ouais, égale peu, exactement. Le, le vendredi soir, euh, je me suis dit, allez, je, je fais un... Je, je, je suis tranquille dans mon lit, je me repose bien, parce que j'avais euh, plutôt mal dormi la, la veille, donc de la nuit du jeudi au, au vendredi. Le truc, c'est... Hey, salut, Mida, comment vas-tu euh, content de te revoir, ça fait longtemps. Euh, du coup, euh, bah, le vendredi, en fait, je n'ai dormi que 3 heures. Donc, euh, je, bah, on a commencé le tournage le samedi. Le samedi soir, je me suis dit, oh ouais, je suis claqué, je vais bien dormir. Non, pareil. 3h30, peut-être. 3h30 à tout casser. Euh, et puis, euh, eh bien, euh, le dimanche... Euh, à peu près pareil. Voilà. <laughs> donc, les amis, euh, ouais, on en a chié. On en a chié, mais c'est, on a eu du bol. En fait, euh, on va pas se plaindre. On a eu froid. Euh, je trouve pas que. Même si on a eu. Eh, ouais, connard. Connard de Caillette, hein, qui me dit que je suis une mauvaisette. Euh, et oui, on a Caillette dans le chat qui était le, le caméraman du projet. Euh, Jamiro, donc, qui est venu euh, tourner. Euh, et euh, et je, je et on a Solène aussi qui est venu euh, faire euh, le maquillage et, et faire un petit plan aussi euh, On va pas tout révéler non plus hein, je, je suis pas là pour vous révéler euh, tout le truc hein. euh, des cou Du coup euh, euh, N'hésitez pas Si vous avez des questions euh, concernant le tournage euh, Voilà, euh, sans, je vous en révélerai pas trop euh, Des masses euh, Je vais vous montrer des images qu'on a pris qui seront certainement pour le making of mais voilà des, des images de on va dire euh, du euh, on the set quoi euh, est-ce qu'on a eu de la neige euh, on a eu un tout petit peu un brin de neige euh, c'était de la neige très fine euh, donc on voit quelques flocons euh, dans quelques plans mais c'était juste le dimanche matin très tôt et euh, je crois qu'au bout d'une heure ça neigeait déjà plus euh, mais c'était euh, c'était vraiment... Euh... Voilà, enfin, cette époque, c'était vraiment un film. Euh, par contre, ouais effectivement, on a eu très très froid dès le samedi matin. Quoi. Et, et le samedi, on a tourné, il faut savoir qu'on a tourné que des extérieurs pendant 13 heures, en fait. Avec une pause quand même, hein, pour déjeuner, mais une mini-pause, hein, parce que finalement, on a fait 35-40 minutes de pause euh, pour bouffer. Combien va durer environ la fina... le, le rush final bah, le rush final, ouais, c'est pas un rush, mais oui, tu veux dire le projet final euh... J'en sais rien du tout. C'est ça le truc, c'est que pour l'instant, on... on sait, on sait toujours pas. Euh... Je sais pas. Je... Non, je, j'ai pas envie de vous donner un, un chiffre parce que le problème, c'est que si je vous donne un chiffre et que euh... Euh... Que c'est pas ça ou que c'est moins, euh, voilà. Euh, vous allez peut-être euh, en avoir plein le cul et euh, vous allez être euh, déçu. Ah, mais non, mais en le, le samedi, je crois que je, je contrôlais plus mes tremblements, moi. Tellement il faisait froid. Et pourtant, il faisait beau, hein. Il faisait beau. Ah bah si je suis offline, un, un tournage en mode café et thermos. S'il y avait des thermos, s'il y avait des, des chaufferettes aussi. On avait prévu euh, des couvertures aussi, mais personne ne les a trop utilisées, les couvertures. Et euh, ouais, c'était un, euh, un peu chaud, quoi, on va dire. Enfin, un peu chaud, un peu froid, quoi, du coup. Et, bah écoutez, les gars, ce qu'on a fait, ce qui s'est passé, c'est que, en gros. Euh, bon, on était une quinzaine sur le tournage, mais pas tous en même temps, réellement. Le, plus, le, plus, le jour où on a eu le plus de monde, c'était le dimanche. En revanche, le samedi, c'est le jour où on avait la DeLorean. La DeLorean, qui, euh, du coup, euh, bah, n'était là que le samedi. Et donc, euh, bah, on fait un coucou à Seb aussi, qui nous a donc ramené la DeLorean. Et, et, et plusieurs objets aussi, plusieurs accessoires. Euh, qui est vraiment vraiment très très cool quoi avec qui on peut se marrer euh, euh, qui euh, qui bah, qui s'est pris au jeu aussi de faire euh, de faire ce film et, et donc euh, qui était euh, bah, lui aussi est plus ou moins un personnage à part entière dans le dans le merdier puisque bah la Delorean elle est... Un, elle est euh,

Comment, comment allez-vous Alors, on est, on est sur le débrief pour ceux qui veulent. mais ça avec vous euh, Du tournage de ce D'accord. <laughs> Putain, là, là, on a chié. Et Omer, j'ai vu ta zigonette euh, On est sur le débrief du tournage du projet Retour vers le futur. Euh, le samedi, c'était la plus dure, je pense. Cela dit, dimanche, c'était pas mal non plus. Non, ouais. Va non, me dimanche, faire oui, va te laver les cheveux. Alors, en gros, voilà, le samedi, on, avait com on a commencé vraiment avec la, la de etc. Mais euh... Mais le truc... Et salut, REM51, comment vas-tu Merci pour le follow. Euh... Et pour le... Et merci, Mystery's Life, pour le follow également. Et du coup, du coup ce qu'on a fait et ce qui s'est passé... Euh, J'essayais la, la démo de Steamworld Build. D'accord. Des robots cow-boys de l'espace... Oh putain, vache. Ça doit être excellent. <laughs> Ça doit être excellent. Et euh, donc voilà, je reprends. Du coup, comme on commençait le samedi... Euh, Monsieur Caillette, qui était notre, notre caméraman, est arrivé le vendredi. Et le vendredi, euh, bon, le vendredi soir, hein, évidemment, on n'a pas pu faire tous les repérages de lieux. Hein, il a fallu euh, me faire confiance. Hein. Surtout que bah, nous, euh, de notre côté, avec, euh, on, va dire, on va dire, mon assistant Réa, qui est aussi régisseur mais qui m'a aidé à préparer un peu le merdier avant, hein, en amont, euh, on, avait, euh, on avait remodifié des plans pour, pour le planning. Parce que le planning était très, très serré. Euh, et on commençait à se douter qu'on euh, en chirait Du coup, on a trouvé des lieux qui, en fait, étaient plus proches et qui, qui étaient plus proches les uns des, des autres. Alors, il y en a certains, certains qu'on n'a pas à bouger, hein, qui, qui était notre première idée, mais on a rapproché certains autres de ces lieux-là pour ne pas avoir à faire euh, euh, de trajets euh, trop longs et perdre du temps. Et du coup... Euh, du coup... Euh, non, même pas, même pas. Il s'appelle même pas Régis. Et, et surtout, il n'est pas l'heure, Régisseur. Bon, J'ai essayé de faire un jeu de mots, mais ça... Mais... Je t'emmerde. <laughs> euh... Et du coup, on a, on a repéré quelques lieux avec caillette Et je lui expliquais les plans. Les plans à faire. Euh, pour certaines scènes, pour, pour qu'on perde un peu moins de temps. Le problème, c'est que bon, par exemple, je lui ai expliqué la première scène, mais on a quand même perdu du temps sur la première scène parce que bah, un tournage, c'est pas genre on commence comme ça et puis hop, c'est bon. Il faut, il faut s'adapter, l'équipe doit s'adapter, euh, euh, bah, moi-même, je dois voir comment, euh, combien de temps ça prend, etc. Donc euh, c'est vrai que le... Euh, merci pour le prout, profpi. Euh, ouais, l'organisation a beaucoup aidé. Hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que... Euh, bah sans ça, si on n'avait pas été organisé de toute façon, même en termes de régie, euh, c'était foutu. Hein. Je vous le dis, c'était c'était naze. Euh, si, si ça aurait été ça aurait été impossible à, à gérer. Et là, euh, donc euh, du coup, je vous montre. Des oui. Euh, au pire, si c'était peut être pour l'orthoscopie, tu m'envoies on les plans. Ou je suis en train ouais, de lui ouais, expliquer. Bon, cas, je sais pas si le, si coup, le son est, alors... est, est trop fort ou pas. Je suis en train de lui expliquer. Bah, euh, ce qu'on va faire, quoi. Euh, on essaie de bah, on discute un peu du merdier. Donc ça, c'est le vendredi soir. Euh, quand il venait d'arriver, euh... Euh, mais ouais, et euh... euh... Euh, Pixie, tu Ensuite... montes ou tu m'emmerdes? là, c'est pareil. Allez, on va Monte. Pas pouvoir, Allez! Euh... Oh là là Voilà, bon, c'est euh, coupé. Euh, je vous mettrai d'autres trucs, hein. vous inquiétez pas. Et musique, du coup, tu vas faire comment Cover Ça passe pour les droits Non, ça passe pas, les covers. Va falloir. Il euh, y aura des, des bouts de, 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 de sonorité, de. de, de retrouver le futur, mais très peu. Hein. On, on les réentendra, mais il ne faut pas que je me fasse strike. Parce que je serais con, hein, quand même, là-dessus. Euh, et. Ouais, elle est partie chier, là. <laughs> non, elle est partie pisser. Euh... Et du coup, qu'est-ce que je pourrais vous montrer Non, alors là, c'était pas très intéressant parce que c'était le début du truc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. Hop, ouais, si là, je fais ça. Je puis, euh, ah là. merde, il me leur place là. Voilà. C'est chiant. Je pense que, euh, franchement, j'ai pas l'impression que ça va être. Euh, difficile bon, on voit rien. Hein, parce que bah, ouais, forcément, par c'était euh, de nuit. On entend le. Mais euh... Et puis, qu'on était ça, on dans en un endroit très peu les... éclairé. Bon, c'est un peu dommage, hein... Là, euh, euh, oui, ça a coupé d'ailleurs parce que... Euh, voilà, il nous filmait en train de faire le, les préparatifs, mais c'était pas... Par contre, en revanche, bah, c'est à partir du lendemain hein, où on s'est levé euh, que euh, c'est assez intéressant. Puisque... Euh, bah, puisque on commence à voir... Qu'est-ce que c'est que ce truc euh, euh, Voilà, admettons, euh, si je fais ça. Non, ça va, ça va refaire. Puis, euh, barre, hein. Voilà, moi je pense que. Euh, Attendez. Si si est... Eh non, il sort, il se remet euh, automatiquement. Vous savez ce que je vais faire Je vais faire ça. Parce que sinon, c'est trop le bordel. Je vais vous remettre la fenêtre. Hop, tac. Vous inquiétez pas. Hop, je vous replace ça correctement. Et ça, donc, c'était le matin. <laughs> je vais attendre que Solène se replace. Les amis. T'es pas obligé de gueuler. Là. <laughs> je te dis, je, j'attends je je, que tu te replaces. <laughs> non, tu, tu te replaces pas Ah, d'accord. Ah non, je croyais que tu revenais là. Bon, euh, du coup. Du coup, on a. Hop, je vous laisse ça. Euh... La Delorean est arrivée, euh, donc tractée sur sa petite euh, remorque. Le matin du samedi à 9 h On avait prévu de commencer à 9 h 30 On a commencé à 9 h 45, je crois. Et voilà, voilà, on a Seb qui est en train, qui, qui, qui s'en va pour, pour ouais. décharger sa sa DeLorean. Et puis nous, on prépare le matos à emmener dans la voiture. Je fume Oui, oui ouais la Delorean elle, elle pète hein. c'est la classe c'est il l'a totalement bien refaite euh, c'est énorme 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 donc du coup euh, du coup euh, j'étais très très content de ça euh, hop ah c'est mieux ça bouge moins On est toujours en train de préparer Là, là, on file pour euh, voir hein. le gars s'il a pas, <laughs> s'il n'a pas euh, besoin d'aide. Mais il est très sympa, Seb. Euh. D'ailleurs, on, on va, je vais aller le revoir là. Et vous voyez que au, au si fond, là, dis... euh, ben bah, il fait pas ça moche. Hein. C'est ça enfin, se lève ça, tout doucement. Bah, non, parce Mais euh, tout mille ça, mille. Euh, tout ça là que vous voyez, c'est euh, le soleil qui se lève. Hein. C'est le soleil qui se lève. Et non Solène euh, qui se couche. <laughs> Elle a pas entendu je pense. Euh, Est-ce qu'il est qu euh, est qu décharge la de Est-ce qu'on le voit décharger oui, je pense qu'on le voit décharger Je vais vous mettre le son. Ça fait un son bizarre. C'est assez spécial. Là, on a des actrices aussi qui sont, qui sont arrivées. Voilà, on là. Ouais. Euh, bon, après, il lui... faut que je lui explique deux trois trucs. Euh... Elle tombe pas en panne et elle roule. Bah ben, ouais. Alors, les gars. Vous voulez une anecdote? Pendant la première journée, on va faire une petite anecdote, on va en mettre un petit coup à Cayette. À Pendant la première journée, il s'avère que. Si, si, si. Il s'avère qu'à un moment donné. Bon, on tourne un plan voilà, qui était assez long à faire, euh, que je ne vais pas vous révéler, mais qui était très très long à faire. On était garé sur un parking. Et euh, quand on veut retourner euh, bah, à la maison, puisqu'il fallait qu'on continue à tourner un truc, et puis ensuite il fallait qu'on qu parte euh, dans, un, dans un autre patelin. Euh, bah, bien après euh, je, je veux dire on avait quand même euh, Un petit quart d'heure de route <coughs> euh, pour, euh, pour des scènes de nuit Cette fois-ci Et eh bien il s'avère que à ce moment là On a fini nos prises On remonte dans ce parking là euh, Dans la voiture euh, Quelqu'un monte dans la de DeLorean Et puis euh, moi je monte dans la voiture de Caillette Caillette Il met en route la voiture Mais en fait il la met pas en route parce qu'elle ne démarre plus. Caillette euh, qui a une voiture assez récente, hein, on va pas se mentir. Ben, euh, Figurez-vous que c'est quand même grâce à la DeLorean, grâce au fait qu'on ait eu la DeLorean, hein, qu'on a pu faire redémarrer la bagnole. Parce que on a pris la DeLorean, on est retourné chez moi. C'était pas très loin, heureusement. Euh, on est retourné chez moi. On a pris les, euh, la batterie et puis le, les fils, euh, les pinces. Euh, qui était euh, dans le camion euh, euh, de Seb, puisque euh, bah, Seb euh, avait, avait emmené tout son matos, et euh, on a pu euh, faire redémarrer la, la, la voiture à caillettes <laughs> Ma femme me met des claques sur, derrière la tête, elle a bien raison. Euh, oui, parce que là, bon, quand même, hein, on a perdu un petit peu de temps. Alors, évidemment, moi je reviens avec la DeLorean et Seb, euh, on revient, euh, il... <laughs> Lui, il était en train de boire un thé, hein, Caillette, euh, hein. <laughs> il était en train de boire un thé ou je sais pas quoi. Et <laughs> tranquille, quoi. Mais bon, euh, c'est, voilà, c'est une anecdote assez rigolote, quoi. Euh, le, le gars, tu sais, il a la, la bagnole un peu dernier cri, tu sais. T'appuies sur un bouton, ça fait start. <laughs> Puis elle démarre plus, quoi. Et t'as et la vieille Delorean euh, qui a 40 ans, euh, euh, qui finalement euh, nous sauve la vie, quoi. Ça c'était 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 cool. Bah du coup euh, du coup euh, ça arrive au meilleur, t'inquiète, ouais. Bah non, mais c'est exactement ça. Bon bah, après, oui, je crois que c'était je sais plus, c'était tu avais laissé les phares ou j'en sais rien, je sais je sais plus pourquoi elle elle pas démarré euh, mais je crois je crois que c'était parce que tu avais oublié de couper un truc. Mais enfin bref, c'est pas grave. Ça euh, bon, ça nous a pas empêché de faire euh, l'intégralité du film donc euh, voilà. Hein. Mais c'est vrai qu'on on... On aurait pu avoir des couilles beaucoup plus grosses, quoi. Enfin... Des, des emmerdes beaucoup plus grosses. Parce que... Euh, C'est... Euh, si vous voulez, on était sur du. Effectivement, il faisait très froid. Mais les gens. Euh, bah, les gens sur le tournage avaient le sourire. Pourquoi Parce que bah, ça aurait pu être pire. Euh, si on avait eu de la pluie. Et là, c'était foutu. Là, je redoutais la pluie, en fait. Euh, bon, la neige, ça aurait été chiant aussi, mais moins, je pense. Euh, mais je pense que la pluie, c'était le pire, quoi. La pluie et le verglas. La pluie et le verglas, ça aurait été vraiment le pire. Euh, mais euh, de quoi Il avait laissé son iPhone en charge. Sur... Ah oui, ah, oui d'accord. Euh... Il y avait une DeLorean à Beauvais, elle était magnifique. Bah, c'est celle-là, euh, Farenzo, euh, c'est celle-là. <laughs> c'est la même en fait. Hein. <laughs> Et donc, euh, bon, voilà. Je vais continuer à... Je vais regarder un petit peu ce que je, je peux vous montrer. <laughs> je vais vous montrer du tournage, peut-être. Ça, ça... Est-ce que ça vous intéresserait ou pas? C'est surtout ça. Euh... Euh, Est-ce que ça vous intéresserait Qu'est-ce que je pourrais prendre euh... Euh... Tenez, on a ça qui, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a Ah si. Euh, là, on est en train de. Qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, est en... on est en train de répéter, je crois. Tac. De répéter. Oh, ah bah oui, mais merde On va voir si c'est pas moi dans la base bonne... Ah, on, a, on a la chienne. <laughs> on a la chienne qui gueule en même temps. Bon, c'était un tout petit plan. Euh, je vais vous trouver... Je les ai pas regardés avant les plans, hein, donc je les découvre un peu en même temps que vous. Les plans que euh, euh, Voilà, là on met sur Deuxième pick-up. Euh. Et putain, mais oui, on faisait les plans... On faisait des plans rapprochés là de la... Euh, de l'intérieur de la DeLorean, euh, on faisait une petite scène, une petite scénette. Euh, attendez, hop, tac. On est toujours sur la même scène. Ouais, ouais, on peut. Et il faut que Seb il nous dise. Pareil, on, on discute. Comme si elle allait repartir euh, vers là-bas. Ouais, je vous en montre pas trop. J'essaie pas trop vous. Vous niquez le le scénar euh, ni rien parce que c'est un peu ce serait un peu con quoi qu'est-ce que c'est que ça euh... tac ah euh, c'est ce soir ouais, ah, ce soir, ouais. Non, ouais parce ouais. qu'il est garé chez toi donc, euh... Après, tu peux rester avec moi sur le. Oh oui Bah ouais, mais qui, qui conduit ta voiture Ah oui, 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 on faisait. Alors là, de... ici, oh, on faisait non. des plans. Je... Euh, non, non, les... Moi, Tous les plans rapprochés non, 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 de l'intérieur de, ah, de, 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 ah, de, de, de la voiture. Ah, moi, je. Ah vois oui, pas moi, parler, je, veux pas, 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 je veux bien partir en passage. Et oui, là, il n'y a pas de problème. Et en même temps, Charlotte, elle a conduit. Vous pouvez voir que. Alors, voilà. Là, vous voyez, on a. Donc là, on a l'ingé son. Qui était là euh, ça c'est une bonne amie à moi je dirais même euh, quasiment ma grande soeur euh, Angel, euh, qui euh, qui attendait bah, elle a pas tourné le, le samedi mais elle a amené quelqu'un euh, qui, qui justement tournait donc du coup euh, bon les gens attendaient un peu dans le froid quoi c'est un peu un peu un, un peu dommage salut kika comment vas-tu euh, donc voilà bon c'est vrai que euh, mais par rapport au planning euh, on avait, on avait quand même euh, euh, réglé un peu euh, euh, qui devait venir à quel, à, à quel moment, euh, au, au mieux qu'on a pu faire. Hein, parce que c'est vrai que de euh, temps en temps, il a fallu euh, bah, intervertir des scènes. Parce que euh, il y en a certaines qui nous prenaient beaucoup trop de temps. Euh, et euh, et c'est un, ouais, un, un peu ça qui est, qui, est, qui est toujours le merdier, en fait. Hein. Euh Ouais, euh, ouais, 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 hop, je vais pas trop vous, vous montrer ça, je vais pas trop vous montrer ça, euh, qu'est-ce que je peux vous montrer, qu'est-ce qu'il faisait je sais même pas où on est, est-ce qu'on est dans Ah oui, à deux mois, ah, merci, Cayette, pour ton prime et il, il file encore du prime. Alors là on faisait des plans de la Delo, de, de la Delo qui roule, qui, 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 qui redémarre, etc. Euh, voilà, c'est tout le samedi, hein. le samedi c'est tout ce qui est de L'Oréane. Et vous voyez qu'on on a même euh, la Delorean, euh, de lui, on a même du tourné. Donc là on répète le texte avec l'actrice qui est euh, Diane. Diane qui faisait son premier euh, tournage, je crois. Et euh... c'est <coughs> Seb qui a conduit la Doloréane totalement. Euh, c'est lui. C'est lui, euh, on peut l'appeler le cascadeur de la Doloréane. Euh, J'ai préféré parce que moi, je. Euh, on, on a réglé les plans pour que ça ne se voit pas, évidemment. Mais surtout, euh, je, je n'avais pas envie de conduire la DeLorean. C'est vraiment un truc, je n'ai pas envie du tout. Euh, du tout du tout du tout c'est pas un truc qui c'est pas que ça m'intéresse pas c'est que c'est son bébé euh, au gars j'ai pas envie Vous voyez on sait jamais si je panique ou j'en sais rien ou si je fais un mauvais truc j'ai pas envie de lui péter euh, lui péter sa bagnole quoi euh... c'est un peu ouais et puis, puis même ça m'intéressait pas euh, on avait on, aussi on avait des plans à faire à l'intérieur de la DeLorean euh, pendant qu'on roule euh, c'était déjà acquis euh, acté du moins c'était déjà acté que ce serait fait avec un fond vert derrière etc euh, c'est enfin euh, y a, y a, y a, pour moi c'était d'ailleurs le fond vert on en a, on a bien chié parce que il y avait du vent euh, au niveau euh, de, des, des lumières c'est le bordel à régler parce qu'on était obligé de le mettre en, en extérieur mais finalement sur les plans il bah, n'y a aucune ombre il n'y a rien le fond vert il passe nickel euh, mais voilà bon c'était juste pour je crois euh, c'est quelques plans quoi c'est vraiment quelques plans donc euh, donc voilà on va continuer je vais vous montrer euh, la suite donc, oui, euh, Diane euh, qui faisait son premier euh, tournage et euh, qui joue super bien, quoi. Elle joue super bien. Bon, euh, est, elle est jeune. Hein. C'est pour ça qu'on l'avait que samedi, dimanche. Euh, elle a un rôle à, assez important, je dirais. Euh, et. Euh, 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 en, en fait, si vous voulez, euh, euh, vu qu'elle que euh, que euh, que oui, qu que est assez jeune, elle a le lycée le, le lundi. Bon, Donc si il fallait faire, 3 à faire toutes maison. ces scènes le Et samedi dimanche. Donc on a réglé Et le planning de façon à ce que euh, ce soit euh, le, euh, là, le samedi qu'on fasse toute la de mais qu'on ait aussi samedi dimanche avec toutes les scènes de Diane. Voilà. Euh, et d'ailleurs, euh, bon, ça, euh, je m'en excuse, mais j'avais prévu aux acteurs, je leur avais dit, à peu près vers 20h on aurait fini. Euh, évidemment, on a fini à 21h30 à chaque fois. Hein. Euh, les deux jours. Les deux jours, on a fini à 21h30. Donc, euh, donc voilà. T'as appris à faire, à faire du skate. Eh bien, tu le verras dans le film. <laughs> A plus Benjamin Marquis de l'Épine. A euh, très bientôt, la bonne soirée. Ça va encore pour un retard de tournage. Ouais, et puis bon, après, on était claqués. Hein. Je veux dire, on va pas se mentir. On voulait même faire... Il y avait des scènes d'intérieur qu'on devait faire. Normalement, sur le planning, c'était... A... On avait des scènes d'intérieur à faire le, le euh, samedi après-midi. Euh, parce que je pensais qu'on euh, en aurait pour moins de temps que ça avec les scènes de la Doloréane de, de, de jour. Euh, je me suis totalement gouré, J on, a, on les a décalées au soir même. Sauf que bah quand on est rentré, il était 21h, euh, il était, on est rentré du de la grosse scène, on, on avait encore besoin de la Doloréane de pour des plans intérieurs et... Euh, Comment vous dire, euh, il était déjà ouais, plus de 20h30. On a tourné les scènes. Ouais, bon, ça a amené à 21h30, 21h45. Euh, ouais, même presque 22h. Euh, du coup, euh, du coup... Bah, si vous voulez, on ne pouvait pas enchaîner avec les scènes d'intérieur. Euh, on les a décalées au lendemain. Sauf que le lendemain, eh bien, sur euh, le planning... Déjà, il y avait un déplacement à faire au tout début de journée. Et quand on revenait, euh, bon, ça n'a pas duré si longtemps que ça, mais on est resté quand même... Euh, ah, on est quand même resté presque deux heures, ouais. Presque deux... Enfin, une heure et demie là-bas, et le temps, de, le temps de se remettre... Euh, le temps de se remettre euh, à bosser, et puis qu'on s'installe pour la grosse scène qui arrivait après. Parce que juste après, on a fait un pu une putain de grosse scène. C'est... Euh, une une, une, une une horreur euh, une grosse grosse scène qu'on a mis on a mis quatre heures à la faire puisque on a commencé à 11 heures et ça c'était une scène qui réunissait beaucoup beaucoup de comédiens 11 heures on a fini bah eh ben, c'est simple on est rentré à 15 heures pile pour on a mangé à 15 euh, ouais quinze heures cinq quinze heures cinq on mangeait euh, donc euh, voilà, 4 heures, 4 heures pour une scène. Euh, mais c'était pas n'importe quelle scène. C'était une scène avec beaucoup de comédiens, avec beaucoup de, de reprises, de mini plans, de coupures. Euh, pff, oh le... Salut Virus Gaming, comment vas-tu Oui, effectivement, ça fait longtemps. Allez, on va, je vais vous montrer un petit peu. Je vais pas tout vous montrer, hein, les gars. Hein. Je, je préfère euh, en garder, euh, vous en garder pour. Euh... Pour le making of, euh, alors on a quoi là euh, Qu'est-ce qu'on faisait là Qu'est-ce qu'on faisait Ah bah voilà, on arrive sur le lieu de la scène, euh, gros, de la scène. Euh, ouais ouais ouais. C'est euh, un plan de midi On se gare et puis le, le lieu est un peu plus ah, loin merde. par là-bas. Ah oui, ça va falloir euh, faire. Euh, euh, Celle-là, oh, putain, ouais, on en a chié. Et bon. On en a chié, mais il y en a qui en ont chié plus que d'autres. Mais ça, vous le verrez euh, dans, le, dans le le rendu final du film. Quoi. Belle mobilisation euh, pour les retraites euh, à Jonchery. <laughs> ah, euh, bon, là, voilà, on était pas mal là aussi là. pour une petite Et scène. Euh... Vous vous reconnaissez Vous devez reconnaître de dos Docteur Pargo qui est ici. Ouais. Hop, le voici Docteur Pargo. Euh, attendez, parce que j'ai mis ça, mais bon, c'est pas le, le meilleur euh, délire. Euh, je... Est-ce qu'il y avait encore. Putain, j'ai pas pris des. J'ai ouais, pris les, 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 les scènes qu'on qu a faites avec tout mon... Un petit peu et tout. mon. Donc, il euh... y, y a tout ça qui, qui se. Qui ouais, se ma caméra, parce que. Ouais. J'ai pas vérifié avant, hein. c'est pour ça que j'ai pas tout. Ah, hein. bah non. Vous voyez, non, euh, non. je sais que. Ah, j'ai mis. Si il, je... des... il avait pris des. Comment on appelle ça des plans aussi euh, mais euh, euh, j'ai pas ouais, j'ai pas pu tout prendre encore la euh, euh, sur ouais, le... là on est ouais, euh, non, sur on une scène euh, la pareil extérieur mais plus une scène assez cool normalement je pensais que je pensais pas qu'on qu aurait tant de merde que ça parce que il faut savoir que euh, c'est pas le problème n'étant même pas le vent c'est pas le vent puisque la bonnette vous voyez que la bonnette de la de la, de la, de la linge et son, elle, est, elle est top mais c'est surtout que elle entend tout et en fait si vous voulez quand vous commencez à tourner et euh, par chez moi, il y a beaucoup d'avions qui passent, mais des avions au loin. Pas des avions genre que vous entendez bien. Ce sont des avions au loin. Et les avions au loin, on ne fait pas gaffe euh, d'habitude, mais on les entend beaucoup. En fait, on les entend énormément. Et quand il y a un avion qui passe, bah, en fait, les prises euh, sont pas terribles. Quoi. Euh, du coup, il faut attendre. Il faut attendre euh, que il faut attendre que les avions passent. Et ça, ça nous a retardé sur au moins... J'en sais rien. À chaque fois qu'on attendait euh, les, que les avions passent, si on met bout à bout, euh, à mon avis, on a perdu euh, 45 minutes, une heure. Quoi. En tout, dans le, dans le week-end, on a perdu euh, facile une heure. Ouais. Euh, oui, on a, vu, on a vu furtivement, Jamy. Je ne veux pas trop non plus euh, euh, vous montrer. Hein, comme je vous dis. Euh, je j'essaye je, euh, de... Alors, ouais, là, là, ça, je ne peux pas vous montrer. Euh, on aurait pu voir Solène, mais je ne peux pas vous montrer. Euh, sinon, c'est euh, vous révéler des euh, parties du truc. Euh, je peux éventuellement... Ah oui, voilà. Euh, donc, euh, là, on va passer au troisième et dernier jour euh, de tournage. C'est le lundi. Le lundi matin, j'avais je reprenais des clés. Euh, d'un appartement que j'ai loué euh, pour, euh, pour l'occasion euh, qui est décoré euh, un peu style années 60 alors il y a quelques anachronismes dans leur euh, truc hein. c'est pas un truc euh, décoré exprès années 60 c'est juste qu'ils ont repris des, des, des décors de théâtre et euh, ils ont décoré le, euh, cet appart là et le loup, euh. voilà, vous Je Et euh, donc là on préparait les, le les on scènes qu'on devait tourner ici et ça c'est pareil euh, ce sont des scènes euh, très difficiles à mettre en place ça, ouais. euh, pourquoi parce que ce sont des bah, ce sont des scènes où il se passe plein de trucs il euh, n'y a pas forcément énormément euh, je pas de pas dialogue les euh, des je garde avait ouais, pas pas Beaucoup de, 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 de problèmes avec euh... Ah oui merde vous voyez pas pardon 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 je vous remets au début euh, je vous remets euh, On n'avait voilà, pas beaucoup de. de... Non, il n'y a te pas beaucoup de dialogue dans te te ces scènes-là, mais justement, vous verrez pourquoi c'est euh... compliqué. Vous euh... euh... comprendrez dans te le film. Te te le film il y a les... euh... Elles ne sont pas forcément euh... très longues, hein, mais eh ben, on et a mis 4 heures aussi, finalement. Mais là, on était plus au chaud, etc. Au cas où il y a des je garde euh... alors ah, virus ouais. Euh, ouais au cas où t'aurais pas écoute euh, je pars pas reparler des crises d'angoisse euh, bon moi je fais mon bonhomme de chemin euh, sans médoc parce que il euh, euh, y a hors de question que je prenne ces merdes euh, je joue toujours oui et là on fait le débrief tour... du tournage du, du fan film retour vers le futur qu'on a, euh, qu a réalisé euh, pour la chaîne youtube voilà. Donc, ceux qui sont que sur Twitch, vous verrez pas le film. Je suis désolé. <laughs> Faudra se mettre sur, euh, sur ma chaîne YouTube. Pour ce faire, vous faites ça. Attendez. Hop. Voilà, YouTube Channel. <rire> <rire> Allez, je continue. Euh. Ça va être... Voilà, bon, on était emmerdé avec des reflets, etc. Par contre, les lumières et étaient bon sympas, là-dedans. Est-ce que je peux sortir du plan un peu vers frigo, oui, pour le frigo Les lumières étaient sympas. Si sympa. Ça fait un mouvement, ou pas du tout non, Oui, c'est sûr. En suggestif, c'est bien. Vous voyez euh... pas le couvert Oui, on, oui, bon, pas, ouais, on ouais. met en place la scène, ça, Donc, On ne verra pas l'ouvrir. couvert, c'est juste qu'on te cale là. Ah, putain, c'est euh... vrai qu'il y a déjà eu le final de Super Mario Live saison 3. Ouais, ouais. Il faut que je vous présente la... Ouais, c'est pareil, il faut qu'on se... Qu'on se fasse... Euh, Qu'on se donne rendez-vous sur Twitch pour que je vous diffuse la saison 4. Ouais. Saison 4. Mais il faudra que... Bah, voilà, il me faut encore un peu de temps aussi. Et puis, bah... Euh, les gars... Euh... Oh je pense que je m'en... Vous savez quoi Parce que c'est ça qui est chiant, c'est que... Il faut à chaque fois que je, que je bloque les noms. J'ai pas trop envie d'être emmerdé. Euh, je je. Je pense que je vais pas le faire cette fois-ci ou je vais me démerder autrement, j'en sais rien, mais je pense que je vais pas m'emmerder et je vous passerai les épisodes un peu comme je fais là. C'est-à-dire en vous montrant chaque épisode, voilà je les, je, les, je les mets comme ça, ce sera vachement mieux, ça me donne moins de trucs à faire parce que tout réencoder à chaque fois c'est la merde quoi. Euh, En tout cas euh, En tout cas voilà, voilà on se prendra une, une date pour, pour euh, Super Mario Life saison 4. Euh... Bon, on, re... on retourne vers le futur hein, du coup, euh, voilà, on est toujours euh, en train d'essayer de... 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 de préparer. Euh, alors, c'est ouais, vrai qu'il y, fois... oh, bah, les... si y a des fois, je sais pas si des gens ont filmé, mais il y a des ah, fois, ai... alors pas tout le temps parce que là, euh... ouais, je, je, je dirige, mais j'avais un peu la tête dans le cul hein. après les deux premiers jours à, à, à 13, 13 heures de tournage. Euh, là j'étais un peu plus éteint Mais je sais que le deuxième jour J'étais vraiment dedans et, et je crois que j'avais jamais été autant euh, au, J'avais jamais été autant euh, euh, En mode euh, direction artistique quoi. Euh, Voilà, Je plaçais les gens Je disais action et tout Et j'étais vraiment dans le, dans le truc Notamment pour la, pour la grosse scène Qui a mis 4h, 4h30 à être tournée Avec euh, tous les gens euh, qui était en extérieur. Euh, c Là, je, me... je prenais un petit peu... Euh... Je faisais un petit peu mon kiff, quoi. Mais après, euh, toujours dans la bonne humeur. Il hein. euh, y, a... y a juste des fois où, effectivement... On, quand les gens commençaient à parler entre eux ou, ou nous on commençait à, à parler quand on revenait à la maison et tout, voilà on, on, on voit qu'il y a des gens qui sont arrivés, euh, qui, qui qui sont pas allés sur le lieu de tournage parce que c'est pour c'est pas la peine de se peler les couilles pour rien et qui sont déjà arrivés machin, Alors on dit bonjour machin et c'est vrai que j'ai pas encore ce réflexe de dire bon allez non les gars là on y va euh, bon je l'ai je l'ai fait un petit peu plus vers la vers la fin des des tournages notamment peut-être fin du dimanche et puis euh, et puis le lundi mais mais euh, mais sinon j'avais euh, j'avais l'ingéson euh, qui elle a vraiment l'habitude de ça et et qui euh, qui nous boostait un petit peu en nous disant euh, euh, bon faudrait peut-être qu'on y aille là euh, voilà euh, c'est vrai que ça m'a ça m'a bien aidé là pour euh bah, pour motiver les gens et puis surtout, euh, voilà, pas perdre le fil en fait. Euh, parce que si vous, vous posez trop, bah vous perdez du temps. Et vu que le planning était ultra serré, d'ailleurs, bah ça m'a appris à. Euh, bah pour la prochaine fois, je, je ferai autrement quoi. Parce que là, là, voilà, je me, je me suis rendu compte maintenant que, euh, bah oui, bah ça, ça prend tant de temps, ça, ça prend tant de temps, et puis bah beaucoup d'extérieur, quoi, euh, quand tu tournes en intérieur, il y a, ah, il y a quand même des emmerdes, hein, mais il y, y a aussi des bruits qui vont pas, il y a aussi des, mais, mais le, l'extérieur, c'est pire, c'est pire, c'est pire, et en plus, je veux dire, par exemple, quand vous avez, c'est pareil, hein, faut, faut, euh chorégraphier euh, cer certains mouvements. Il euh, faut dire, toi tu te places là, toi tu, toi, tu, tu ne peux pas faire ça parce que, euh, par, par exemple, il euh, y, a, y, a, y a des plans qu'on a faits 3-4 fois. Non, peut-être même plus que ça. Parce que, bah, soit... Euh, au début, bah, les acteurs ou les actrices sont, se placent mal ou se retournent alors qu'il faudrait pas se retourner pour parler à, à quelqu'un parce que c'est plus graphiquement, c'est esthétiquement au niveau du plan, c'est mieux qu'elle ne regarde pas euh, l'autre personne. Euh, voilà, c'est 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 un bordel à mettre en place. Donc on, on répète plusieurs fois, mais mais malgré tout, il y, y a des ratés. Euh, euh, voilà. Par contre, par contre on n'a pas eu énormément de bêtisiers il y en a il y en a un petit peu mais on n'a pas euh, voilà eh ben, parce que euh, quand vous êtes dans une ambiance comme ça c'est vous, vous rigolez hein, c'est euh, bon enfant etc mais c'est pas euh, des grosses crises de fou rire euh, qui durent et puis euh, où on a où on, on en peut plus et puis que euh, il faut faire une pause parce que etc etc, etc. quoi euh, avec le prof pi euh, nous sommes de deux souris qui soufflent aux oreilles des viewers. Allez voir la chaîne du loup, allez voir. Ah merci. Bah, c'est très gentil. Bah, en plus, vous savez quoi Ce qui s'est passé lors des tournages, c'est que bah, quand on avait la deloréanne par exemple, voilà premier délire, on avait la deloréanne et les gens ils venaient, ils venaient voir la Dolorean, les passants hein, euh, qui étaient là. Ah, bah, c'est pas tous les jours qu'on la voit. On peut prendre une photo et tout. Donc ils... voilà, quand on n'était pas en train de tourner. Et qu'on était en train de répéter, on leur disait bah oui, il y a pas de problème. Alors après, quand ils quand ils faisaient leur truc et puis que euh, nous on allait tourner, on leur disait bon bah on, voilà priorité au tournage, on va on va tourner s'il vous plaît. Euh, voilà, est-ce que vous pouvez vous décaler et puis faire silence sur le plateau, etc. Quoi. Mais euh, toujours dans la, dans la bonne ambiance. Hein. Toujours dans la bonne humeur, parce que vous n'avez pas à gueuler sur les gens non plus. Même, même euh, le soir, quand on en, a, on en avait plein le cul, euh, le, le soir, euh, on, on est arrivé sur, sur un lieu où bah, y il avait, y avait des gens qui se sont ramenés après. Et on s'est dit aïe, 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 euh, euh, ils vont peut-être euh, peut faire du bruit, euh, on va pas avoir de bol, on va se manier, on va essayer de se manier et tout. Et en fait, euh, bah non, ils étaient très cool, quoi. Ils étaient très cool les gens et puis bah du coup on leur a expliqué voilà, on leur dit euh, bon bah on fait ci, on fait ça et ces, ces gens là ils prenaient, le, ils prennent le, la, la chaîne, le nom de la chaîne, ce sera diffusé où Bah là là et, et, et ils ont pris le nom de la chaîne et puis je pense qu'ils sont, ils sont abonnés parce que j'avais un peu plus d'abonnés en fin de journée et, euh, et, euh, et pareil le lendemain quand on tournait la grosse scène, là j'ai eu peur par contre, on l'avait bien entamé la grosse scène. Et il y, y a une voiture qui débarque, alors que normalement il n'y a pas de voiture qui débarque à, ce, à cet endroit-là. Et le, le gars sort, un gars de, je sais pas, peut-être. Euh, J'en sais rien, la soixantaine. Mais, ouais, la soixantaine. Et il arrive et il, il me dit euh, Ouais, on m'a dit que vous tournez un film. Ah, je fais Ah bon euh, Ouais, comme vous êtes derrière chez moi, je voudrais savoir ce que c'est. Et là je commence à baliser parce que je me dis, euh, ouais, et donc je lui explique, on fait un film, Retour vers le futur, et il me fait, ouais, ah bah c'est génial, euh, mais il n'était pas en mode, euh, voilà, c'est juste que, bon, il était, il était sérieux, mais euh, il n'était pas en mode, euh, je vais vous virer, quoi, euh, finalement, et après il nous dit, ah ce sera diffusé où et tout, et donc je lui note sur un petit papier, et puis il fait en tout cas, bah bon courage avec le froid et tout, et puis si vous voulez, on vous ouvre. Euh, la... le... On vous ouvre euh, le comment s'appelle le... le portail euh, arrière du jardin parce que bah, justement on était juste derrière euh, bah, sa propriété et euh, euh, vous pouvez euh, vous pouvez si vous voulez euh, tourner euh, dans le jardin on a un grand jardin et tout c'est vrai que la, la, la... en plus la baraque je passe souvent devant et à, à chaque fois elle est, elle, est, elle, est, elle est assez sympa cette euh... Cette maison là, il y a une belle propriété et les, les gars, ils sont euh, bah, j'en avais des cartes de visite mais je sais pas où je les ai foutues, alors je les avais pas sur moi. Mais effectivement, on me l'a dit, on me l'a dit ça, on me l'a dit ça sur le tournage, il faut faire des cartes de visite et tout. Et, et du coup, euh, bah, très sympa le gars en fait euh, finalement. Et donc voilà, ça c'était cool. Vous voyez Et on, je vais vous donner un petit un petit un petit exemple, un petit contre-exemple, vous voyez c'est-à-dire que là, tout était dans la bonne ambiance. Les gens ils venaient, voilà, ils nous disaient oh, vous faites un film, c'est génial Puis nous, on n'était pas là pour leur dire euh, dégagez, machin. On n'est pas là pour s'énerver. On, on le dit euh, euh, gentiment, euh, et, puis, et puis voilà, les gens ils comprennent. Ils comprennent to totalement. Euh, ce qui s'est passé, c'est que il euh, y a eu une couille. Voilà, il y, avait, il y a vraiment eu une couille, la grosse couille de dernier moment. C'est-à-dire qu'on avait, on avait terminé le tournage, on était rentré. Et euh, le régisseur revient d'une course avec ma voiture. Euh, et eh bien, on n'avait pas vu, mais sur mon trottoir, il y a un bout de trottoir qui est pété. Et il c'est juste à côté d'une plaque d'égout, euh, enfin d'un caniveau. Qui est en, euh, en métal. En métal euh, avec un bout pointu. Il passe dessus, pouf, le pneu éclate. Sauf que, eh bien, c'était euh, un quart d'heure avant de devoir ramener euh, Jamy à la gare et, euh, et une heure avant de ramener euh, l'ingesson à une autre gare. Euh, ça c'était euh, ballot. Et fort heureusement, il y avait. Caillette, bah, il est resté jusqu'à ce matin. Euh, fort heureusement, euh, on avait encore Caillette qui avait sa, sa bagnole. Et fort heureusement, cette fois-ci, il a pas oublié d'éteindre les phares. Et du coup, euh, du coup euh, on, on a. On a. On a. Euh, euh, on a pu ramener les gens avec euh, avec la voiture à Cayette, mais euh, voilà c'était ricrac. et donc voilà pour, pour vous situer le contre exemple euh, entre les gens qui font euh, qui font un boulot qui leur plaît qui est passionnant hein, comme euh, donc bah, là toute l'équipe là qui était là euh, et la bonne, la bonne ambiance, et puis qu'on dit bah oui, voilà. Si on a si on a un problème avec quelqu'un, on, on va lui dire gentiment. Ou si, euh, voilà. Euh, et les gens qui font euh, un travail et qui se font chier dans la vie. Je vous explique. Ce matin, du coup, je vais chez le garagiste qui m'a dit Vous venez à 10 à l'heure, parce que vous roulez sur la jante. Vous venez à 10 à l'heure, c'était à l'autre bout du, du village, hein. On part avec le régisseur, euh, bah, bon, un pote hein, du coup. Euh, on part à 10 à l'heure, machin. Et il s'avère que, euh, bon, on arrive à un petit rond-point où il y a un petit, un petit resto en face. Et son entrée euh, son entrée avec un, une cour, donc une grosse entrée pour rentrer des bagnoles. Euh, et nous, on était vraiment à 10 à l'heure, donc on, on, on laissait passer les gens. J'arrive sur le rond-point, je vois des bagnoles qui arrivent. Je, je leur dis de passer. Et puis je ne comprenais pas parce qu'elle ne passait pas. Donc euh, je ne vais pas passer. Et là, as un gars qui arrive, qui tape mais fortement sur ma bagnole et qui s'énerve. Hein D'ailleurs, je le connaissais puisque j'ai déjà commandé des pizzas chez lui. Hein euh, je ne citerai pas le, le nom du restaurant parce que euh, cette fois-ci, je ce ne <laughs> suis pas prêt d'en faire de la pub hein, de ce connard. Euh, il s'énerve. Vous voyez bien qu'elle veut passer, machin. Et, et le régisseur, il sort et il, lève un il, il élève un petit, il un petit peu euh, le ton, mais tout en restant courtois, euh, tout en restant. Euh, et il fait. Euh, mais non, vous, vous voyez bien qu'on roule à deux à l'heure. Euh, on peut pas savoir qu'elle. Comment on sait qu'elle tourne ici spécifiquement et qu'il faut lui laisser la place. Donc c'est pas la peine de s'énerver. Il hein y a plus grave dans la vie. Et bah l'autre il était là. Quand vous leur dites ça, les gars, euh, ils savent pas, ils, ils savent plus quoi dire. Et il était là. Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah, 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 bah. Ouais. Gros con. Mais hein ça m'étonne même pas. Mais bon, euh, voilà. Vous voyez que euh, vous avez les gens qui, dès le matin, sont de mauvaise humeur parce qu'ils vont faire un boulot de merde qui ne leur plaît pas. Euh, parce qu'ils ont choisi ça euh, par dépit euh, et que euh, par la, la, la du fric aussi, hein, parce que euh, ça marche bien, hein, euh, leur connerie là. Euh, C'est une pizzeria qui est, euh, euh, qui est ouverte 3 euh, euh, jours sur 4, sur euh, non 3 jours sur 7, pardon, euh, donc 4 euh, jours dans la semaine il est fermé. Donc euh, je peux vous dire qu'il n'a pas besoin d'argent, hein, le mec. Hein. Parce qu'il euh, ne fait rien d'autre à côté. Hein. Je le sais très bien parce que j'allais là-bas très souvent. Donc je regardais, je, regardais, euh, euh, je, je discutais euh, souvent avec eux. Donc voilà, des gens aimables et courtois, voilà. Euh, et donc c'est... Euh, euh, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est t'as pas à être euh, de mauvaise humeur et puis de t'énerver, surtout pour une connerie comme ça. Alors que sa bonne femme, elle pouvait faire le tour du rond-point, on aurait compris que euh, au bout d'un moment, euh, voilà, euh, et puis nous on serait, on serait, euh, serait rebarré quoi. Donc voilà. Bon, euh, est-ce que je vous montre encore des petites choses euh, Je vais, hop. Qu'est-ce qu'on a là-dedans euh, C'est vrai que j'ai pas, pas énormément de trucs hein, quand même. J'ai pas énormément de trucs et puis je veux pas trop vous en montrer. Je vais regarder euh, 17 sur 13 ce que ça carrière. donne. Ouais, bon c'est juste des des courts plans là qu'on fait euh, vous voyez qu'est ce que euh, qu'est ce que je pourrais vous montrer d'autre euh, alors je vous laisse ça mais euh, je regarde ça je veux pas vous le montrer absolument pas euh, qu'est ce qu'on a là ici c'était quoi ça tête, je sais pas comment elle va réagir je <coughs> Voilà là on mettait ça en place euh, faut... ouais, euh, ça pour... Euh, bah, on va tester, un, pour un autre plan vraiment que ça... enfin, Avec la DeLorean. Et partir quand même... Euh, mais euh, si tu m'as dit... Pour hein. partir quand même assez... assez euh... Ouais t'as dit, liens au cul. Voilà je voilà. vais expliquer qu'il fallait démarrer. Ouais, un peu ça, vite. Et euh, euh, puis bah, vous voyez qu'il y, qu y, qu y, qui y, y a des voitures là-bas. Euh, sont matos. Est-ce que tu les attend. Là on a l'actrice qui est à côté. qui est aussi une des actrices que tu veux faire truc. un gros plan où euh, elle part pour euh, moi c'est ça tu la suis voilà longtemps ben voilà, et après on tu peux pas entrecouper avec d'autres trucs on discute avec Seb pour. Parce que Seb, ne de rien, vu qu'il conduit l'engin, l'engin, il règle un peu le plan, le travelling, etc. C'est-à-dire que on a Cayette qui va faire son travelling, mais il faut lui expliquer avant ce que lui va faire avec la DeLorean. Parce que ne sait pas. C'est vrai que ça là. pas. C'est la terre. Tu mets là, Olive, de... tac, et tu le suis. Hein. Parce que là, 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 ouais, là même il même devrait si ça pas. Bouge, on ah. fout. Okay. Tu le suis jusqu'au bout, et euh, moi je verrai quand je. Sur ça, sur, sur ça, il devrait pas glisser dans l'air. Ouais, voilà. Tu, tu le suis comme ça. Tu vas voir Diane. Mais avoir Diane dans le. Le truc c'est que je vais rouler. Des photos de Insta. Bah ouais, mais euh, vais rouler. De instant. instant. Après, on peut le faire plusieurs fois. Il peut déjà faire. j'ai pas compris, Miss Repartir et refaire ici. Oui, on fait un autre plan. Tu pas... peux faire après un plan d'ici. Tu peux faire un plan là, un plan d'ici. Salut la page amine. Je à assez vite. Au moment où tu décroches, on, décroche, on s'en fout. Moi, je cutterai et on frein un deuxième plan euh, comme ça. Ouais, tu vois, plus euh, vers Tu veux là. que je décroche quand, du coup Voilà, alors ouais, c'est pareil. Hein. En fait, tu... Quand on est sur le, sur le tournage, tu, tu euh, me euh, suis, généralement, quand vous êtes sur la projet, vous activer, avez des, je des idées euh, directes, des euh, plans. Euh, C'est-à-dire ouais, que voilà. c est, c est, ce ah. sont les lieux qui inspirent. Voilà, donc tu ce continues jusqu'à ce que tu décroches et non, on au moment les, où tu décroches. Le matos et puis les véhicules, etc. Les accessoires qui inspirent. Et vous dites. Ah oui, mais ce serait génial. Vous, en fait, vous avez le plan, vous avez un montage dans la tête. Que vous n'aviez pas forcément euh, pendant que, que, vous, euh, que vous êtes en train d'écrire le truc. Vous ne l'aviez pas forcément puisque vous ne saviez pas vraiment le lieu. C'est jamais comme, euh, comme on l'a dans la tête. Mais, mais du coup, quand vous êtes sur le, sur le lieu euh, de tournage, c'est... Euh, voilà, vous commencez à voir que... Oui, mais il faut pas qu'un seul plan pour euh, une scène d'action, il faut pas qu'un seul plan pour, euh, pour même des fois euh, voilà, une scène pas d'action d'ailleurs. Euh, donc c'est. C'est ça le truc, c'est que euh, ça improvise. Euh, en fait, on a déjà des idées de montage sur le tournage. Euh, les idées de montage, elles peuvent venir sur le tournage. Et du coup on fait les plans en conséquence pour que ça ça colle avec ça. Euh, voilà. Je parais que la difficulté c'est de transcrire tes idées en plans et que tout le monde le comprenne. C'est une horreur. C'est une horreur, surtout que je ne sais pas m'exprimer, moi. Je, je m'exprime souvent en, onoma, en onomatopée, en disant bon toi tu. Et puis, hein Voilà. <laughs> Vous voyez ça, je l'ai fait. Hein. Ça, je l'ai vraiment fait. Hein. Et, et euh, l'acteur, il euh, y, a, y a un des comédiens, donc Timothée, il a compris ce que je voulais dire. Hein. Bon, quand ça. Tu. J'ai fait ça. Et il m'a il, il dit, ouais, ok. Et il l'a il a fait. fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Et ça n'avait rien à voir avec euh, du. Et du. Voilà, ça, les bruits ont rien à voir. Hein, J'aurais pu faire. Bon, quand tu. Et tu. Pff, voilà. <laughs> mais, euh, mais ouais, ça, ça c'est le plus chaud. Euh, c'est pour ça que je préfère. Euh, en fait, et c'est là qu'on se, compre se comprenait pas au début avec Caillette, parce que j'ai tendance à dire. Bon, alors, tu prends un plan, un plan de là. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que. Il se met à ma place pour faire le plan. Et en, et en fait, il ne comprenait pas parce que je lui disais, tu prends un plan de là et, et, et il, me, il me dit, ah bon, je me place là. Vous voyez, euh, c'est des trucs comme ça, je n'ai pas, pas les termes euh, adéquats pour, 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 pour expliquer le, les, les plans. C'est ça le truc. Ah non, non par contre, quand j'explique les plans, j'essaye de... Non, j'ai quelques termes quand même. Hein. Si je lui dis tu fais un travelling avant, tu t'arrêtes en, en plan américain euh, ou tu, tu, tu me fais, tu, tu fais un tracking sur, euh, sur deux personnages, un balayage euh, euh, Voilà, c'est ça, ça, ça va quand même. Mais bon, après c'est un peu plus compliqué. Ou contre-plonger, plongée, euh, euh, mais c'est un peu plus compliqué quand c'est des... Voilà des scènes où on maîtrise pas trop euh, 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 par exemple des scènes de véhicules ou, ou des scènes où des gens courent aussi. Les, les, quand quand les, les gens courent c'est chaud déjà. Hein. Euh, heureusement on, 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 a, on a de la bonne stabilisation. Donc euh, un travelling avant. Il <laughs> faut souffler pour faire un travelling avant. <laughs> non, il faut péter. Euh, en attendant, on sait que ça va être une dinguerie. Bah, j'espère. Mais euh, en fait, en voyant les images hier, quand on a regardé les rushs, euh, alors effectivement, il hein, y a des mini-fautes qu'on a, des, des mini hein, qu a fait, euh, euh, mais qu'on va régler euh, en post-prod. Mais voilà. Euh, là, j'ai commencé à me dire euh, Ah ouais, on, va, on tient un bon projet. Salut Moumou, merci pour ton 33 e mois. Miche, mais ça arrive pas avec ouille. J'ai commencé Bonsoir. à me dire euh, qu'on on tenait à un projet euh, très très sympa quand même. Et que, euh, bah mine de rien, il y a beaucoup euh, de clins d'œil. Mais normalement, ce ne sont pas des clins d'œil, euh, vous savez, euh, genre euh, gros fan service, quoi. C'est pas euh, genre, euh, voilà, euh, pff, je, je sais pas comment vous expliquer ça. J'arrive pas j'arrive pas à... et ça reste du discret et euh... Et ouais c'est euh... je sais pas euh... Après je après, après je... je peux pas vous montrer de, de plan du film ça c'est hors de question déjà parce qu'ils sont pas retravaillés niveau colorimi... colorimétrie pardon j'ai du mal à parce que euh, en plus de ça hein, euh les lèvres elles sont complètement gercées oui c'est un bel hommage dirons nous comme le dit Solène c'est un bel hommage voilà je pense que, que c'est un bel hommage et, et j'espère que ça plaira aux gens bon il y aura toujours hein, il y aura toujours des gens qui, qui détestent en fait qu'on leur pique l'idée avant quoi mais et, et puis qui, qui sont là pour te dire que tu joues comme dans AB production ou machin parce que, ça, ça les amuse, mais euh, normalement euh, normalement ça devrait euh, ça devrait plaire parce qu'il y a un peu de tout et surtout euh, moi c'est surtout au niveau des de ce en plus on a improvisé un petit peu aussi hein, ça aussi au niveau avec les comédiens on a un petit peu pro, improvisé euh, pas tout le temps mais euh, voilà et, et ça, je pense que ça, ça va apporter vraiment du. Le pour au niveau de l'humour, c'est l'humour que que j'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est l'humour que c'est le meilleur en fait. C'est l'humour bah, c'est l'humour du film quoi. Enfin euh, l'humour des films. Euh, normalement, on est on n'est pas on n'est pas trop loin de de cette ambiance là quoi. Et euh... donc voilà. Euh... Bon, qu'est-ce que je vous montre en... Euh, on était sur quoi là Bon, euh, je vais essayer. Je vais essayer ça, tiens. Si j'essayais ça. Il n'y a pas une... un bout de scène. Ce serait juste bien qu'on voit un bout de scène en train d'être filmé. Ah, mais ça doit être ça. Est-ce que vous voulez voir ça bah ça va pas vous non j'ai pas de teaser de près hein, les gars il hein. y aura un teaser il y aura peut-être même une bande annonce j'en sais rien mais mais il n'y a pas de il a pas de teaser de ne hein. faut pas déconner non plus on a fini hier hein. euh... ah bah derrière on a il y a du taf quand même hein. c'est pour ça que je sais pas quand est-ce que ça sort hein. je vous donne pas de date euh... surtout qu'il faut que je fasse aussi la musique et, et, et puis que il bah, y a beaucoup de tri à faire, hein, parce que le nombre de prises qu'on a faites, euh, le fait que l'image est envoyée séparément du, du son, donc il faut recoller les deux, euh, et que des fois il y a plusieurs prises de son, comme, la, comme elle m'a expliqué. Si par exemple vous avez quelqu'un qui fait, hey connard, il faudrait peut-être que tu viennes ici. Vous voyez Une phrase euh, forte et une phrase euh, plus douce, il y a deux prises de son. La, la, le son est enregistré en même temps, mais à deux volumes différents. Donc il y a deux pistes sonores à, à mixer. Hein. Et alors ça, euh, je comprends pas ton 1, 1, euh, 1, 33 là. Euh, euh... Moi, euh, moi, ça sort en 1080p, voilà, <laughs> c'est tout. Et... Euh... Et, euh, et je, je, je comprends pas là ce, ça c'est du du charabia normal ou bande, bande noire moi bah bande noire bande noire les gars regardez les petites bandes noires ouais ah, d'accord merci Solène merci. parce que là j'étais je suis pas en... je je connais pas les termes mais euh, je, voilà moi, pour moi c'est les, les bandes cinéma moi j'appelle ça des bandes cinéma ouais bah ouais, mais sauf que ce seront des petites bandes cinéma, mais, mais très petites. On va te réclamer tous les films cultes. Bah, à Pachaminou, euh, le problème, c'est pas de me réclamer. Le problème, c'est de financer parce que, euh, mine de rien, euh, avec tout ça, euh, on a dépassé le budget euh, de 1000 balles. J'ai mis hein, ma poche, hein, c'est pas grave, mais on a dépassé euh, ce qu'on devait faire ouais. euh, donc, euh, oui, il <laughs> falloir payer les gars. <laughs> non, mais voilà, euh, bah, je vous cache pas que euh, on en parlait ce week-end. Hein, un petit Ghostbusters, hein, un petit Ghostbusters des familles, ce hein, serait pas mal. Euh, un petit Batman aussi, non, je sais pas, euh, je sais pas. Ah non non non, je fais pas la cité de la peur. Non non, ça m'intéresse pas ça. Ça c'est ça m'intéresse pas. American Express ne partait pas sans elle. Mais mais voilà, mais je peux pas réclamer des des crowdfunding sans arrêt quoi. Parce qu'il faut savoir aussi, si vous voulez, là où j'ai été un peu dans la merde, c'est que je savais pas euh, qu'il fallait.. Euh, il faut déclarer euh, les, les crowdfunding. Alors je, je savais qu'il fallait les déclarer, mais j'avais lu euh, un article comme quoi euh, les si vous aviez des contreparties, ça passait en euh, vente de marchandises. La vente de marchandises, la TVA, elle est moins... Enfin, c'est moins... moins on, on paye moins le, le, à l'URSAF. Euh, c'est plus 13%. 13%. Euh, et, et, et le problème, euh, les... Les... on m'a appelé, enfin j'avais appelé l'URSAF il, il y a une semaine, deux semaines, euh, et ils m'ont dit euh, non mais euh, euh, les crowdfunding, euh, non non mais ça c'est une prestation-service, hein. donc la prestation-service c'est 22%. Du coup, de ce que j'ai gagné, euh, si vous allez voir le Kiskis Bank Bank, vous verrez, hein, la cagnotte, 5000 et quelques, je ne sais plus. Euh, déjà, moi, il y, y a 8% qui sont barrés pour euh, Kiss Kiss Bang Bang, pour le site. Donc, euh, j'étais plus qu'à 4800. Ce euh, qui, qui est déjà bien. Hein, mais sur les 4800, il faut en enlever 22%. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ursaf, Cancras et Carbalas. Et ouais. Et ouais les gars. Donc je vais vous montrer, je pense, cette petite scène. Qui est assez sympa. Euh, ce, ce petit tournage. Elle a de la gueule, hein T'as acheté une nouvelle bagnole <rire> <rire> Ah bah en plus c'est drôle parce que... C'est carrément drôle parce que... Eh bah ouais, on a le train qui est arrivé, puis euh, à ce moment-là, quoi. On était à côté d'une d'une voie ferrée donc ça c'est excellent ça euh, je sais pas si on l'a une deuxième fois ce truc là peut-être sous un autre angle attendez hein, je regarde je vous présente ça euh, ça va rien Faux départ Oh j'ai plus de dos Ah oui j'arrivais pas à monter là, je vois l'armée. Ah merde, vous avez pas l'image encore Oh fait chier Ah j'ai plus de dos C'est de vieux On garde bien le silence, s'il vous plaît, ça tombe toujours. Bon, je vous coupe. Hein, je... Non, pas de bêtisier, non. Ou euh, deux trois séquences, mais euh, y, de toute façon il n'y a pas assez pour euh, faire un, un gros bêtisier. Euh, on sait pas, on n'a pas euh, tant raté que ça. Il y, y, y a deux trois trucs euh, drôles, hein, évidemment. Il y a deux trois ratés euh, assez sympas, mais euh, euh, je pense que ce sera plus euh, genre peut-être dans le générique de fin avec. Euh, avec 2-3 séquences un peu ratées et puis c'est tout quoi. Ah, c'est assez horrible de sortir de cette bagnole, ouais. Parce qu'en plus de ça, tu t'as tu, bah, tendance à te prendre du... à te prendre la. la... la portière dans la gueule quoi. Et puis c'est hyper bas, ouais. Par contre, le mec, quand tu montes dedans, il te fait des pointes hein, à 90. Ouh. Il gère, hein, mais, mais c'est c'est vraiment, ouais, vraiment très, très sympa. C'est très très sympa. Et en plus de ça, quand il arrive à 90, bah, il a son compteur qui arrive à 88 mal à l'heure. Et là, tout commence à clignoter. Et vous entendez la musique qui fait... Ça, ça pète dans tous les sens. C'est génial. Euh, Qu'est-ce que je pourrais. J'ai rien d'autre hein, en fait. J'ai pas, pas grand-chose autre les amis. Euh... On a. Si, allez, allez un dernier petit. Où on voit arriver la DeLorean qui est éclairée, évidemment. Ouais, un peu, un peu trop près. Un peu trop près là. Pas assez, pas assez Faut que je une place de pas de parking avant. Toujours pas l'image, ouais. putain Ouais un peu... un peu trop près Un peu trop près Ouais bah je suis fatigué Pas assez pas assez centré Faut que t'arrête une place de parking avant ouais. Voilà bon écoutez Est-ce que vous avez des questions Quelques questions euh, Et puis on, on s'arrêtera là euh, je suis désolé, pas de jeu ce soir, on fera un jeu demain avec Solène. Euh, on fera des jeux demain, ouais, je pense. Ah, celle-là a une très bonne tenue de route, hein, par contre. Ah bah, moi aussi, j'ai hâte de voir le résultat. <laughs> j'ai hâte de bosser dessus aussi. Euh, là, je me prends quelques jours de, de repos, mais... Voilà. On n'avez pas de questions. À ah, quand un nouveau ça Cartoon euh, Je vais essayer dimanche. Je vais essayer dimanche soir, euh, les amis. Euh... Ouais. Donc, euh... Bah, écoutez, de toute façon il y aura euh, des... je vous, je vous préviendrai. Hein, et il y aura du teasing. il y aura des, des, également des, des, bah, une petite bande-annonce. Euh, et puis, bah, il va falloir qu'on pense aussi euh, aux contreparties pour ceux qui ont contribué. Euh, on a fait les photos, euh, on va faire euh, toutes les dédicaces, euh, etc. et euh, les envoyer euh, par mail et euh, bah moi j'ai un making off à monter en plus du en plus du euh, comment du film hein, euh, du coup euh, mais le making of ça sera un peu plus vite quand même euh, par contre, j'en vois pas le making of avant la sortie du film, ce qui, ce qui serait très con, hein, on va pas te mentir. Un bien beau bébé. Ouais, 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 ouais. ouais je... Tu veux un bueno, c'est une question. Je veux bien, j'ai hyper faim depuis tout à l'heure en fait. Merci, euh, Solène. Euh, les amis, on va regarder un petit peu qui c'est qu'en live. Je sais qu'il y a Joris Le Six. Joris Le Six qui. Euh, euh, qui a. Ah non bah non pas de réflexe là c'est mort euh, qui a euh, qui a participé un petit peu au projet Joris le 6. alors euh, je crois qu'on avait aussi docteur c'est euh, ça c euh... oh, on va aller voir Joris et n'y a pas grand monde il est sur Disney Hercule Herculade là les gars euh, on va on va on va, euh, on va voir Joris, c'est trop cool. Il est très gentil, Joris. Hein. Euh, et donc, ouais, bon, il fait partie du, du, du projet. Donc, euh, euh, voilà, un petit coucou. Euh, il, a, il nous a fait. Un, il nous a, les, les plans sont très, très beaux aussi. Et donc, euh, non, non, c'est cool. Bon, écoutez, les amis, je vous donne rendez-vous demain avec Solène. Euh, Solène, je sais pas si tu veux montrer ta gueule. Bah vas-y. Euh, on vous donne rendez-vous euh, demain avec Solène pour euh, bah, pour des mini jeux. Hein. Je sais pas ce qu'on va on va essayer de se trouver des trucs euh, à faire. Et puis euh, et puis là euh, voilà. Là cet après-midi on a joué à Seven's Guest. Oh, la <laughs> Elle y arrive je je pas. Bah non, mais il n'y a pas besoin de se débrouiller avec. Faudra passer la, la truc. Pas, quoi. Pas mais c'est pas ça. C'est on passera la, on la passera. Point <laughs> C'est pas grave. Euh, bon, les amis, vous faites un coucou à Joris le Six. Vous lui dites salut Jake, ok ouais. salut, Jake. Vous lui dites tout ça dans le dans le dans le chat. Vous copiez-collez ça. Vous en mettez quoi, ça. Jake. Vous Copier-coller, salut Jake. Euh, là, moi, ça va être repos. Et puis, euh, on se retrouve demain pour un nouveau live. Et puis, bah, surtout, euh, prenez soin de vous. Bisous du loup. Et... C'est pas le pied. Enfin, si. Là, c'était le pied. Ciao. Qu'est-ce que c'est que ce bordel on peut même plus pisser tranquille maintenant. <laughs> salut Jake, coucou coucou Richelion coucou Pink Freeze. Coucou Profpi, coucou Minusan et re le -loup. <laughs> Bande de malades. Et salut à Minou Putain, je l'ai enchaîné direct, je connaissais pas le pseudo, je l'ai fait euh... salut Magician80, salut Micello, salut Re Solène. C'est terrible. On va mettre un peu de son là. Merci beaucoup pour le raid, ça faisait quoi Et coucou à Sama, bienvenue <laughs> Assistante, ça débrouille fait le week-end. Ah, cool ah, Bien ça Bien. Trop cool